retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes créations d'aujourd'hui, donc uniquement d'aujourd'hui. Je vous referai une vidéo, mes nouvelles créations. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est que les créations que j'ai fait aujourd'hui, sachant que j'ai acheté 4 pains de Fimo aujourd'hui. Donc je vous mets juste à la suite, dans même pas 2 secondes, ce que j'ai acheté et je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait. Donc voilà les pains de Fimo que j'ai pris. Donc maintenant on va passer aux créations que j'ai fait aujourd'hui avec ces pains de Fimo uniquement. Donc la première chose, hop, c'est une canne. Comme ceci. Enfin, un sucre d'orge ou une canne. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je l'ai fait avec... du rouge cerise et du vert pomme, et je trouve que pour Noël, enfin voilà, je pense que je vous ferai le tuto pour ma catégorie Noël. Donc voilà. Ensuite j'ai fait, vu que Pâques arrive très bientôt, j'ai fait un petit œuf décoré. Donc hop, comme vous pouvez peut-être le voir, je l'ai verni, mais très légèrement. Et voilà, j'en suis vraiment trop trop fière, je le trouve très très beau. Après c'est très facile à faire des petits œufs, donc voilà. Ensuite j'ai fait, alors, 3, donc 2 lollipop et une sucette. Donc, oups, donc mes lollipop, vous allez le voir, elles sont un peu ratées. Mais bon, je me dis que c'est les premières. En plus je testais mon vernis Fimo et j'en ai beaucoup trop mis. Donc il est légèrement pailleté, mais voilà, donc je vais vous montrer la première. Donc elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez, vous voyez légèrement qu'elle est vernie, mais un peu trop. Et de l'autre côté, j'ai mis deux petites paillettes. Et j'aurais peut-être pas dû, puisque j'en ai mis trop. Donc voilà, donc je la trouve pas super jolie, mais voilà, enfin, ça passe quoi. En tout cas, les deux couleurs ensemble, c'est vraiment très joli, je trouve. Maintenant, ma lollipop est un peu ratée, puisqu'on peut voir qu'elle n'a pas complètement... Enfin, elle n'est pas bien ronde, quoi. Donc, j'essaierai d'en refaire une. Ensuite, au niveau des lollipops, encore une fois, donc il y en a une deuxième, donc, qui est plus petite. Alors, celle-ci, elle a été vernie, donc j'en ai mis trop cette fois-là. Donc, voilà. Et donc ça c'est avec de la pâte Fimo Burk, avec ouais, du reste de Fimo en gros. Donc les couleurs sont assez jolies, mais pareil, je me suis un peu loupée, donc voilà, mais bon, c'est qu'un début et le truc ne tient pas, donc sachant que ça c'est un bâton, un vrai bâton de sucette comme celui-là. Tenez pas, bah du coup j'ai mis un cure-dent. Donc voilà, j'aurais pas eu. Et enfin ma dernière sucette, donc c'est encore avec de la pâte Burk. Donc elle est comme ceci. Personnellement je la trouve super jolie. Donc voilà, elle est bien ronde et bien ronde. On dirait vraiment une sucette. Et donc voilà, je pense que je vais faire un peu comme si je l'avais emballée. Ensuite j'ai fait ceci, donc personnellement j'aime beaucoup, et en plus j'ai prévu de faire quelque chose, donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur on peut voir que c'est blanc, donc ici j'ai voulu texturer, mais alors je fais n'importe quoi, mais bon, ce n'est pas très grave. Et en fait quand
Quand j'aurai acheté de la fauche chantilly, je mettrai un peu de chantilly ici avec une canne fraise. Ça risque d'être très joli. Donc voilà, je trouve ça super mignon. Et donc voilà, donc j'ai fait un esprit croqué. Voilà. Ensuite, j'ai fait des marshmallows. Donc j'en ai fait 3. Donc pareil, je pense qu'ils seront... petites choses seront dans l'édition spéciale Noël. Donc j'en ai fait un comme ça. Personnellement, je les trouve trop mignons. Un second. Et un troisième. Et celui-là, je trouve que c'est le mieux fait vraiment. Et je pense que j'en ferai des boucles d'oreilles. C'est même sûr. Donc voilà mes petits marshmallows. Ensuite, ensuite j'ai fait un berlingot. Donc voilà, donc à la base il était bien comme ça, sauf qu'ici la pâte beurre est ressortie. Mais bon. Voilà, sinon si on regarde juste comme ça, c'est trop trop mignon. Donc voilà. Ensuite j'ai voulu faire un test de ce moule. Si les mises au point vont bien se faire. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit test de ce moule. Et j'ai fait ça avec la pâte Fimo, c'est le cas de le dire, vraiment très très burk. Donc voilà, c'est pas mal. Pas mal, c'est pourri, mais juste pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un petit truc comme ceci. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle a fait ça? C'est simplement parce que je vais prendre de la colle forte, que je vais coller ma petite coccinelle ici et que je vais en faire une vague. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes nouvelles créations. J'espère que ça vous plaira. Du coup, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!